Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant, ni aux urgences, sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Acclamer Dieu comme tu ne l'as jamais fait, car ce jour encore, avec l'Esprit de Dieu, nous allons faire des choses merveilleuses. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Chante avec moi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens. Assoiffé de toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. J'ai tant besoin de toi seul, de toi seul. J'ai besoin. Le feu qui brûle en toi. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi.
J'ai besoin que tu viennes glorifier le nom de Jésus dans ma vie. Dis-lui, Saint-Esprit, allume ton feu encore une fois en moi. J'ai soif de toi, Saint-Esprit, de toi. Je m'attends à toi, Saint-Esprit. Viens me surprendre encore ce soir. Viens faire une œuvre nouvelle dans ma vie. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Saint-Esprit, je m'attends à toi ce soir. Je m'attends à toi, Saint-Esprit. En ce soir, je m'attends à toi. Je m'attends grandement à toi, Saint-Esprit. Et je te merci, Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. À toi, Saint-Esprit, à toi, Saint-Esprit. C'est vraiment des cœurs arides que le Seigneur visite. The Lord is visiting dry hearts. Il dit, je répands dans ces cœurs une eau pure. A pure water. Oui, je veux refaire à votre vie. I'll do something to your lives. Voyez, le Seigneur touche les personnes qui ont été endurcies par toutes les difficultés de leur vie. Which difficulty have hardened. Un peu quand le Seigneur dit que je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. The heart of water. Oui, Saint-Esprit, ce soir. Holy Spirit. Tonight, nous voulons marcher avec toi, Saint-Esprit. We wanna walk with you. Nous voulons connaître ta personne. We wanna know who you are. Nous voulons cheminer avec toi. We would like to walk with you. Communique-nous une nouvelle dimension de notre vie. Communicate as another dimension. Une nouvelle dimension de notre relation avec le Père. Dimension of the relationship with the Par Father. Le Fils bien-aimé Jésus-Christ. Through the beloved Son, Jesus Christ. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons acclamer notre Dieu. Let's lui dire merci, lui dire merci vraiment pour tout ce que nous allons vivre. For all that we're going to experience. Ce soir, nous allons vivre quelque chose de puissant. We are going to go through something si powerful. Tu es assis à côté de quelqu'un, dis-lui puissant. If you're seated next to someone, say powerful. Le thème, c'est le Saint-Esprit the topic et nous avons décidé. The Holy Spirit and us have decided. Et je le dis chaque fois que je prêche sur ce I thème. I always say when I'm preaching. Le jour où j'ai lu ce texte important de l'Acte des Apôtres that important passage of et tout le chapitre 15, and all the chapter 15 que je me suis arrêté sur le verset 28 and I stopped on the verse 15, j'ai dit des êtres humains ont décidé avec le Saint-Esprit
Human beings have decided if the Holy Spirit. Mais toutes les fois où il y a un concile dans l'église. Anytime people agree in the church. L'église décide avec le Saint-Esprit. The church decides with the Holy toutes Spirit. Toutes les fois où dans une communauté religieuse. Anytime in a religious community. Dans une communauté où on prend du temps. In a community where we take dans la prière. Time into prayer. On décide avec le Saint-Esprit. We decide with the Holy Spirit. Alors ce texte est tellement important. So it's very important. Que ce texte touche la personne du Saint-Esprit. Because that passage touches the person of the Holy Spirit. And I'm going to emphasize sur la personne the person et la personnalité du Saint-Esprit. And the personality of the Holy Spirit. La personne, the person, c'est cette personne divine, le Saint-Esprit. The divine person, the Holy Spirit. Et mais je vais insister sur la personnalité du Saint-Esprit. I will emphasize the personality. Et nous verrons la différence entre personne et personnalité. The difference between the two. Et surtout dans le sens spirituel de in personnalité. The spiritual sense of personality. Comprendre que le Saint-Esprit transporte des caractères. To understand that he has behaviors. Le Saint-Esprit a une manière de faire. He has a way of il faut doing. Connaître cette merveilleuse we personne need du Saint-Esprit. To know the way of doing. Nous allons lire la parole de Dieu. Let's read the word of God. Actes des Apôtres, le chapitre 15, à partir du verset 28. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci, qui sont indispensables. Vous abstenir des viandes immolées aux idoles, du sang, des chairs étouffées et des unions illégitimes. Amen. Alors, amen. Ils ont dit que le Saint-Esprit et nous avons décidé. The Holy Spirit and them have on peut decided. Dire, mais ils sont culottés, ces personnes. They can say that too comment proud. Des êtres humains peuvent dire Dieu et nous, nous avons décidé. Can human beings say us and the Holy Spirit have decided? Et l'apôtre Paul va nous dire que and the Apostle Paul is going dans to Philippiens say chapitre 2, verset 13, in Philippians 2, verse 13 que Dieu God suscite en nous le vouloir et le faire. Creates in us the will. Pour sa gloire. For his glory. Ou pour l'accomplissement de son plan d'amour. For the accomplishment of the plan. Alors comment of marcher the avec le Saint-Esprit? So how to walk with the Holy on Spirit. Me pose beaucoup cette question, comment marcher avec le Saint-Esprit? I am asked how to walk with the Holy Spirit. Vous pouvez avoir toutes les connaissances possibles. You can have all the knowledge. Philosophique, théologique, tout ce que vous voulez. All the knowledge. Mais il faut savoir comment on marche avec le Saint-Esprit. But we need to know how to walk with the Holy Spirit. Le succès de l'église des Actes des Apôtres. The success of the church of Acts of Apostles. C'est la communion avec le Saint-Esprit. Is a relationship the Holy Spirit. Oh, laissez-moi vous dire qu'ils n'étaient pas aussi intelligents. They were not that smart. Et parfois, quand on and lit, quand on entend des commentateurs bibliques, when parfois, you hear the comments, ils rendent les auteurs bibliques trop intelligents. They make the authors so personne intelligent. N'était théologien. None of them were theologians. Oh, c'est vrai que of course, Paul était de l'école de Gamaliel. Was from the school of Gamaliel. Oui, Paul était quand même un spécialiste. He was a specialist. Mais il était spécialiste de la religion des Juifs. But he was a specialist of the religion mais of the Jews. Il n'avait jamais entendu Dieu lui dire quelque he chose. He never heard God tell him something. La plupart des grandes religions most of the great suivent religions des préceptes, suivent des commandements. Are following principles. Ont toute une charge en tant que des hommes de Dieu. They have charges as men et of God. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait the que des prophètes. Hein, there were only prophets et certains prêtres comme Ézéchiel some priests, ou like certains Ezekiel, rois comme David or some kings, qui like pouvaient David, entendre la voix de Dieu. Could hear the voice of God. Mais regardez ces personnes-là. But look at them. Pierre et les autres Peter and others, qui n'avaient aucune connaissance they had no knowledge, dire le Saint-Esprit et nous avons listen décidé to them say the Holy Spirit and us ils ne have disent decided. Pas que nous avons décidé they don't say we have ils ne decided. Disent pas que le Saint-Esprit a décidé they do not say the Holy Spirit ils disent has. Le Saint-Esprit et nous avons décidé they say the Holy Spirit and us have decided. Nous allons lire 2 Pierre au chapitre 1 à partir du verset Peter 1, verse nous allons comprendre 19. Comment on décide avec le Saint-Esprit. To understand how we decide the Holy Spirit. Tu peux décider. Peut-être que depuis longtemps tu décides toi seul. Maybe you've been decided yourself, deciding ou bien il y en a qui disent bon, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Tell oui, c'est vrai. What I need to do. On peut that's le dire, true. On peut demander cela au Seigneur. You can ask that too.
Mais si je n'ai pas la volonté de me mettre en mouvement, je risque de ne pas entendre le Seigneur me dire ce que je dois faire. I might not hear the Lord tell me what I have to do. Ou bien si j'ai tout fermé dans mon esprit, if I've closed everything in my mind, si je dis moi telle chose je ne vais jamais faire, if I say I will never do this, je ne pourrai jamais entendre l'Esprit Saint me dire ça. The Holy Spirit say it. Finalement, l'Esprit Saint me parle. So finally, the Holy Spirit speaks to me. Et quand je suis prêt à l'écouter. And when I'm ready to listen to him, it's very important. 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 19. Ainsi nous tenons plus ferme la parole prophétique. Vous faites bien de la regarder. Il parle de la parole prophétique. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Vous voyez, ce qu'il dit est très important. What he says is important. Il parle de la parole prophétique. He speaks about the prophetic words. Comme une lampe qui brille like a lamp dans un lieu obscur. Shining in the dark place. Vous savez que quand une parole prophétique est libérée, when the prophetic word is freed, sur votre vie, elle apporte la lumière. It brings light dans le chaos de votre existence. Into the chaos of your existence. Et donc, la parole prophétique est une parole importante. So the prophetic word is important. Jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'astre du matin se lève dans vos cœurs. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il veut dire? What he means, c'est que pour le moment, dans ce qu'on appelle now, le temps présent, in the present nous avons times, besoin de la parole prophétique. We need a prophetic word. Mais il aura un tout, un genre, un temps, plutôt but, un temps, but there will be a time où la lumière va apparaître. Where the light is going to appear, dans le retour glorieux de Jésus. In the return of Jesus. Alors c'est pourquoi Paul dit que nous prophétisons that's d'une manière partielle. Says, we prophesize in a partial way. Mais quand ce qui est parfait va apparaître, but when what's perfect is going to appear, tout ce qui est imparfait va disparaître. All that is imperfect is going mais to pour disappear. Le moment, nous avons besoin but de la parole now, prophétique. We need the prophetic words. Vas-y. Amen. Amen. Tu continues à partir des versets 21 à 22. Avant tout, sachez-le. Avant tout, sachez-le. You should know. Aucune prophétie d'écriture. Aucune prophétie de l'écriture. No prophecy of the scripture. N'est objet d'explication personnelle. Oui. Ce n'est pas d'une volonté humaine. Ce n'est pas d'une volonté humaine. It's not from a human will. Qu'est jamais venue une prophétie, c'est poussé par l'Esprit Saint. C'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. J'aime quand je donne des enseignements sur la prophétie. On the prophecy, dit que c'est poussé par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Spoke on behalf of God. Des hommes ont parlé de la part men de Dieu. Spoke on behalf of God. La Bible ne dit pas Bible directement que Dieu a parlé aux hommes. That God spoke to humans, mais la Bible dit but the Bible says que c'est inspiré par le Saint-Esprit. They were inspired by the Holy inspiré, Spirit. C'est poussé par inspired, le Saint-Esprit que des hommes ont parlé that man spoke de la part de Dieu. On behalf of si God. Tu parles de la part de Dieu if sans l'inspiration du Saint-Esprit, of God, without inspiration c'est of the une Holy parole Spirit. Humaine. It is a human word. Et combien de personnes parlent sans l'inspiration du Saint-Esprit speak without inspiration, mais la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit. It is inspired by the Holy Spirit. La parole rhématique, ou rhéma, si vous the voulez, word of the rhéma, et cette parole qui that est poussée par le Saint-Esprit, inspired by the c'est Holy Spirit, poussée par le Saint-Esprit qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Je vais vous they expliquer cela. On behalf of God. Let me explain. Dans le ministère de guérison, in the ministry of healing, et on sent à un moment donné we feel at a certain time où le Saint-Esprit vous pousse that à prononcer des paroles. Is pushing you to pronounce et ce n'est pas aussi simple de voir it's une personne easy to see someone totalement paralysée. Totally paralyzed. Et surtout, je dis toujours à ceux qui and prient I pour les malades, say to those who pray for the sick people, ne demandez jamais depuis quand tu es paralysé. Never ask. For how long et have you parce been paralyzed? Que parfois la peur vous dit depuis 38 ans. Because somebody can say for 38 years. Et comme years. Dernièrement, moi je pose la question, je pose cette question ask, souvent, mais je ne vous conseille pas de poser but cette I'm question. Not advising you to do that. Ça peut vous décourager. You can be discouraged. Mais c'est poussé par l'Esprit Saint. It is inspired by the Holy Spirit. Que nous agissons au nom de Dieu. That we work in the name of God. Et je me rappelle de cet homme. And I remember that man.
qui ne se rappelait même plus depuis quand il était paralysé. Who didn't remember for how long he had been paralyzed. Si vous n'êtes pas poussé par le Saint-Esprit, if you are not inspired by the Holy Spirit, vous allez fuir. You are going to run away. Quelqu'un même qui dit, oh non, someone ça fait 34 ans, non, 35 ans. For 35 years. Alléluia. Alléluia. Mais poussé par le Saint-Esprit. Inspired by the Holy Spirit, vous pouvez dire à cette personne, est-ce que tu peux marcher? Can you walk? Est-ce que tu veux marcher? Do you wanna work? Elle va dire, non, je ne peux pas marcher, mais she's je veux marcher. Say, okay. I cannot, but I want to. Et poussé encore par le Saint-Esprit. Inspired by the Holy Spirit again. Oui, lève-toi et marche au you're nom de Jésus. You're going to say, stand and walk. Et je vois des centaines and de I see hundreds. Of miracles. Poussé par le Saint-Esprit. Inspired by the Alors, Holy Spirit. Qu'est-ce que les disciples ont fait? So what did the disciples C'était do? Le premier concile de l'histoire de l'Église. It was the first council of le concile de Jérusalem. The council of Jerusalem. Alors, ils vont prier d'abord. So they got to pray first. Tu ne peux pas prendre une décision sans prier. You cannot take a decision, make a Et quand decision tu dois prendre praying, une décision, when you have to make a decision, ne sois pas accroché à cette décision. Don't you be tied to the decision. Pose-toi la question. Question yourself, si cette décision est is dans that la visée de Dieu, into the dans la pensée God, de Dieu, is it dans la the volonté de Dieu. C'est and très the important. Will of God, this is important. Le chrétien cherche sa liberté. The Christian is looking for his freedom. On t'annonce par exemple un grand voyage. They announce you that you're going On to dit, travel. Ok, monsieur ou and madame. Say, Sir or madam, et vu votre compétence, because of your competences, et il y a une grande promotion pour vous. There is a promotion for you. Vous serez à New York. You're going to go to New York. Le représentant de notre structure à New York. The represented in New York. Généralement, le chrétien est très and content. Generally, the Christian is very happy. Il dit, OK, Seigneur, merci says, pour cette promotion. Lord, thank non, you for promotion, on ne commence pas par ça. We don't stop there. OK, c'est le cas du travail. Of course, for your job. Ok, j'ai bien compris. I have understood. Le chrétien va prier. The Christian is going to pray. Il se met en face du Seigneur. Stay in front of God. Il dit Seigneur. He says Lord. Pas selon ma gloire. Not according to my mais glory. Mais selon ta gloire. But according to yours. Seigneur. Lord. Si cela ne vient pas de toi. If it doesn't come from you. Ôte-moi ce fardeau. Take away the weight. Parce que un fardeau. Because that weight. C'est ce qui est pesant sur nous. What is heavy on us. Et beaucoup de choses pèsent sur nous. And many people are heavy. Et ce n'est pas seulement les soucis qui pèsent sur not nous. Just sorrows. Ça peut être aussi des choses qui nous intéressent. It can be things we are Tout ce qui pèse in. Sur toi, all that is heavy c'est ce qui conditionne ta vie. Is what is guiding your Quelque life. Chose peut conditionner ma vie Something sans être un souci dangereux pour and moi. Like a dangerous sorrow for you. Le chrétien doit être libre. The Christian needs to be free. Jésus dit ceci. Jesus says, si vous demeurez dans ma parole, vous if connaîtrez la vérité. Word, et la vérité vous rendra libre. That très, très important. Very important. Je dis bien très, très important. Very important. Nous allons voir avec Paul comment Let's le Saint-Esprit va se joindre Paul, à notre esprit. How the Holy Spirit is going to join Romains chapitre 8, verset 15, Romans chapter 16. 8, verse 15. Parce que pour décider avec le Saint-Esprit, dans the la prière, Holy Spirit, vous allez sentir un moment, into the prayer, you're going to feel a moment la présence du Saint-Esprit. The presence of the Holy Spirit. Romains chapitre 8, à partir du verset 15. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte. Vous voyez, c'est-à-dire que quand vous avez le Seigneur, when you have Lord, quel que soit ce que vous allez demander à Dieu, no matter what you're going to ask God, il n'y a plus de crainte there is d'échouer fear ou aussi l'excès de succès pour dire ça a marché. And the excess of success. Je vous l'ai dit ici que le christianisme, ce n'est pas le positivisme. Non. Positivism. Mais le christianisme, c'est se jeter dans les bras de Jésus. Is to be into the hands of c'est s'abandonner. To give up yourself. Vous voyez, hier, on était Yesterday, en train de faire la messe, de célébrer la we messe d'action des grâces de mon frère qui est décédé. Thanksgiving of my brother who et died. Après, on est venu pour la réception. And we came for the reception. Il y a le père Emmanuel qui m'a dit and ceci. The father Emmanuel said, nous, les chrétiens, on est fous, vraiment. As Christians, we are fools. Regarde comment on est en train de fêter. Look at us. Ce qui peut paraître un drame.
It can be dramatic. La mort peut paraître un drame. Death can be mais like pour a drama. Le chrétien, c'est un gain. Alléluia. It is a gift. Sainte Thérèse dit, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. I am not dying, I'm entering. Et c'est pourquoi Paul dit, this is why Paul qu'est-ce says, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? What can separate us from the love of God? Il dit même pas la mort, not even death, ni les puissances, rien ne powers, pourra nous séparer. Nothing can séparer dans ce sens veut dire, into the sense, qu'est-ce qui va nous attrister? What is going to make us sad? Qu'est-ce qui va faire que nous allons laisser Jésus? What is going to make so that we leave Jesus? Continue. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif. Amen. Qui nous fait nous écrier Abba, Père. L'esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc l'esprit se joint à notre esprit. Joins our spirit. Et quand vous présentez quelque chose à when, Dieu, when you present something to God, j'appelle ça, il faut avoir I ce que j'appelle it, la neutralité spirituelle. We need to have spiritual neutrality. Que ça t'arrange ou pas, ce n'est pas ça la vie chrétienne. For you or not, that's not the Christian la vie chrétienne, c'est est-ce the que ça arrange life, Jésus? Is it good for Jesus? Pas que ça m'arrange. Not for me. Pas que ça m'arrange. Not for me. Mais est-ce que ça arrange Jésus? But does it work for et Jesus? Arrive un moment. And at a moment, si vous priez dans l'esprit, if you pray to the spirit, vous allez sentir que le Saint-Esprit viendra. The Holy Spirit is going to come. Se joindre à votre esprit. To join your spirit. Alors que c'est un acte que je ne voulais pas poser. This is an action I didn't want to make. Mais du coup, le Saint-Esprit vient. But the Holy Spirit comes. Ou bien c'est un acte que j'ai voulu poser. It's something I wanted to do. Le Saint-Esprit vient. And the Holy Spirit comes. Et il va m'orienter. Alléluia. He's going to guide me. Et je me suis pris en train de dire à Jésus. I'm not saying to Jesus. Merci pour ce que je suis en train de vivre. Thank you for what I'm going through. Et c'est vrai que l'intelligence humaine va dire, mais of comment course, ça the human intelligence mais on est poussé par le Saint-Esprit. But we are guided by the Holy Spirit. Alors on commence à grandir. So we start to grow. Dans la présence de Dieu. Into the presence of God. Et au fur et à mesure, and as we grow, on sent le détachement qui s'opère. We feel the detachment. Vous savez, la plus grande délivrance, the greatest deliverance, ce n'est pas le fait de chasser le démon ou de casser toutes les malédictions or to break all the curses, et les malédictions ancestrales. The ancestral curses, non, ce n'est pas ça qui est la plus grande délivrance. La plus grande délivrance, the greatest deliverance, c'est la délivrance vis-à-vis de moi-même. Is the deliverance regarding myself. La Bible dit, celui qui ne hait pas sa propre chair the one ne peut pas être mon disciple. Flesh cannot be my disciple. Notre égoïsme, notre être ancien our nous possède. Egocentrism, la plus grande délivrance, the great deliverance, c'est de passer du vieil homme à l'homme nouveau. From the old man to the new man. Alors là, tu es libre. So there you're free. Le chrétien ne peut pas s'agripper sur les choses. Cannot get tied to things. Le chrétien n'a pas les mêmes soucis que les hommes de ce monde. The same sorrows as the other people that Jésus work. Dit, ne vous inquiétez pas de qu'est-ce que vous allez porter, qu'est-ce wear, que vous allez manger, what you're going to de eat, quoi vous vêtir. Non, ce n'est pas eux qui s'en occupent. Préoccupé par ces choses. They are preoccupied with these things. Vous, votre Père céleste, c'est ce dont vous avez your besoin. Heavenly Father knows what you need. Et je bénis le Seigneur aujourd'hui parce que today, beaucoup d'entre vous qui nous écoutez à travers Divine Amour TV et beaucoup de personnes sont en train de faire une véritable conversion. I'm going through a conversion. Et je parlerai même de reconversion. I'm speaking about the reconversion. Il faut fuir un certain christianisme positiviste. Jésus ne nous a jamais dit Jesus que never said that. Nous n'allons pas traverser les difficultés. We're not going to go through the hardship. Mais Jésus nous a dit que nous serons plus que vainqueurs. Alléluia. C'est ça qui est important. That's what's important. Ce qui est important, ce n'est pas ce que what je vis. Not what ce I'm qui est important, through. C'est que Jésus est sorti du tombeau. What's important is that Jesus et came si out of Jésus the grave, est sorti du tombeau, and if he did, quel que soit tomb, ce que je peux traverser, whatever j'aurai toujours la victoire. I will always have the tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, mon frère, ma soeur, tout ce que tu traverses, c'est ton avantage. À condition que tu loues Dieu. Alléluia. Et donc, le Saint-Esprit va venir au secours de notre nature humaine. Il va m'enseigner quelque chose dans la prière. Il va orienter mes pas. Alléluia. Et c'est pas que it's not just tu vas entendre parce que un qui entend une to voix, hear, Seigneur, donne-moi ta volonté. Voice. Tu vas pas entendre une voix. You're not going to hear a voice. Tu commences à entendre la voix de Dieu. You start hearing the voice of God. Que le jour où tu t'abandonnes à Dieu.
the day you give yourself totally, si tu t'abandonnes God, pas à Dieu, if you do not give yourself, écoute-moi, tu vas entendre des voix, you're going to hear voices, mais c'est la voix de ta conscience. But et malheureusement, ça peut être la voix aussi du démon. It malheureusement. Can be the voice of the demon also. Et c'est quand tu t'abandonnes à Dieu. C'est when you give up aussi yourself, étrange que ça. As et pourtant, as Dieu that, parle à chaque but être God humain. Speaks to each human et c'est pourquoi Jésus dit, mes that's brebis me connaissent. Says. My sheep knows parce qu'elles entendent, il faut because voir, entendre, écoute ma voix. Elles écoutent ma voix. To my voice. C'est-à-dire Dieu te parle toujours de, to you. Depuis le jour où tu as dit oui à Jésus since dans le baptême. You said yes, Dieu te parle, mais tu n'entends rien. Tu ne... But you do not hear et parce qu'il y a anything. Tellement de voix en toi. There are so many voices parce que in tu you. Es accroché à ton you are attached à tes plans personnels. To your personal goals. Tu es accroché à ta notion de you bonheur. Are attached donc to comment your notion tu peux of happiness. Entendre le Christ? So how can you hear je Christ? Vous l'ai dit la semaine passée I told you last week, que les disciples n'avaient qu'un seul souci, had only one sorrow, le souci d'annoncer Jésus-Christ. The sorrow of announcing the alors Jesus c'est normal Christ. Que Jésus-Christ puisse le parler. So c'est Jesus normal Christ que ces hommes-là, comme vous et moi, puissent dire le Saint-Esprit et nous avons décidé. Est-ce que ce que decided. Tu fais, c'est Dieu qui a décidé? Has God est-ce que dans le foi où tu es, dans le travail que tu into es, dans job, tout ce que tu fais, est-ce que c'est Dieu qui l'a décidé? Est-ce que ce que tu veux, est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Has it been decided by God? Ou bien c'est ce que toi tu veux pour toi. Or is it what you want for yourself? Alors le Saint-Esprit, quand so on s'abandonne à Jésus, when you give il vient nous totally, parler. He comes to speak to us. Il dit, Jésus he dit says, que nous Jesus devons says, renoncer à nous-mêmes. We need to renounce ourselves. Il parle de celui qui ne hait pas sa chair the one doesn't hate his flesh, et qui ne prend pas sa croix doesn't take his cross. Ne peut pas être mon disciple. He cannot be my disciple. La croix, c'est ce fardeau du royaume de Dieu. The weight of the kingdom of God. C'est porter la souffrance des autres. To carry the suffering of others. C'est témoigner de Jésus-Christ to witness about Jesus dans les Christ. Lieux les plus difficiles ou dans les circonstances les plus difficiles. Difficult places, ça veut dire que c'est la conséquence de ton engagement dans le Christ. Consequence of your engagement c'est ça la croix. This is what the cross la croix, ce n'est pas cette maladie que tu portes. Oh, si tu portes la maladie et que if quelqu'un te dit, disease, allons says, voir un devin, let's go and see divinity, et que tu dis, je ne vais pas, alors tu portes say, la croix. To, so la croix, c'est par rapport au royaume de Dieu. C'est par rapport à Jésus-Christ regarding de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. La croix, ce n'est pas ce the que toi-même tu vis pour toi. It's not what you're going through for yourself. Mais c'est ce que tu vis pour le Christ. It's what you're enduring for Christ. Ils étaient confrontés à des dilemmes difficiles. Difficult challenges. Certains disaient que tous ceux qui étaient convertis devaient être circoncis, must have been circumcised, devaient suivre la loi de Moïse, must have gone through the law of Moses. Et les disciples, ceux qui avaient and vraiment l'onction du Saint-Esprit, truly had the anointing, disaient non. Alors ils ont prié. Said no, so they prayed. Il y a eu une assemblée extraordinaire there was an assembly où ils ont prié. Where they prayed. Et le Saint-Esprit est venu à leur secours. Mais ce qui est important que je dis aux chrétiens, vous savez, il y en a quand vous leur dites quelque chose, ils disent, ok, some people, d'accord. When they are told something, they say, okay, je vais voir ce que le Dieu va me dire. I want to see what God's going to tell me. Très bien, c'est très bien. It's really good. Mais but ce que je veux dire aux chrétiens qui m'écoutent maintenant, I want to say to Christians, tu dis, ok, you say, okay, je vais voir le Saint-Esprit I'm going to see the Holy Spirit et ce que nous allons décider. And what we have decided. Oh, c'est très important. It is very important. Dieu peut tout faire. God can do everything. Mais Dieu va faire toutes choses par toi. But he's going to do everything through you. Et c'est trop facile. It's very easy. Vous savez, dans l'accompagnement, surtout des personnes qui in veulent the guidance, se consacrer, il y a toujours deux étapes importantes. There are two important steps. Il y a l'étape spirituelle. The spiritual step. Où on sent cet appel de when Dieu. When we feel the call. Ça peut être aussi des personnes qui veulent vraiment servir le Seigneur en laissant God, leur travail, etc. By leaving the job. Il y a cette étape spirituelle. There is a step. Mais cette étape spirituelle n'est pas suffisante pour commencer is not enough l'œuvre de Dieu. To start the work il faut of God. L'étape de la raison.
We need the step of the reasoning. Et c'est dans cette étape de la raison the step of the reasoning, où le Saint-Esprit et toi vous décidez. The Holy Spirit and you decide. Ou bien il y a des gens qui me disent say, je suis allé quelque part, il y a eu une parole de connaissance. On dit tu seras femme de Dieu, tu seras homme de Dieu. Alors, bon, ok, so, je tout abandonne pour le Seigneur. Grave. Grave. No, et si la personne s'est trompée? What if the person made a mistake? Et s'il n'a pas eu un bon discernement? What if they didn't have a good discernment? La confirmation du discernement the confirmation, the discernment viendra par toi dans le Saint-Esprit. Will come from yourself into the si Holy Spirit. Dieu dit quelque chose if à quelqu'un God say something to someone te concernant, regarding oui, d'ailleurs, dans la bonne discipline catholique, in the good Catholic discipline, si Dieu me dit quelque chose if God tell me something pour une personne, for someone, c'est aider la personne elle-même it is about helping the person à entendre ou entrer dans le plan to de hear, Dieu. Or enter the plan of ce God. N'est pas orienter la personne dans cette direction. C'est très important. Ce n'est pas la peine d'aller dire, ok, frère ou sœur, j'ai prié et le Seigneur m'a dit, voici ce qu'il va faire avec toi. Non, ça, ce n'est pas une bonne pédagogie. That's not good. Non. Parce que la deuxième étape, qui est l'étape, la raison, step, c'est très important. It's very important. Quand le Seigneur me touche, when the Lord touches me, il y a un temps d'enfouissement. There is a gift. Je suis dans l'émerveillement prophétique. I am surprised. Je lui dis merci Seigneur. And I said, thank you, Lord. Et ensuite, and after that, il faut que j'accepte cela de manière raisonnable. I need to accept it in a reasonable way. Notre Dieu our God ne fait pas de la dictature. Doesn't, is not a dictator. Dieu ne t'impose pas des choses. He doesn't impose things. Dieu compose avec toi des choses. He works with you. C'est très important. Very important. C'est très très important pour grandir important et pour connaître la personne et pour surtout apprendre à connaître la personnalité du Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint et nous qui décidons. Très important. It is very important. Et quand Dieu m'a appelé, and when God calls me, à tout laisser pour le Seigneur, to leave everything for him, je me suis posé mille et une questions. I've questioned myself, a thousand questions. Mille et une questions, que sera ma vie? What Seigneur, ce n'est pas la like? Prêtrise, ce n'est pas la vie religieuse, mais it's qu'est-ce que je serai? Life, but what am I going to vous be? Comprenez, je rencontre tellement de personnes I venir so dire, people, Dieu leur demande say, God ask them, de fonder quelque chose et, to create et puis something, je les vois and I see assez them. Joyeux. Dieu ne dit jamais ça so à quelqu'un. Happy. God never says that to someone. Dieu ne va jamais vous dire de fonder une œuvre. Parce que toute œuvre de Dieu, c'est because Dieu lui-même. Any work is God himself. Il veut simplement que nous acceptons de travailler avec lui. La Bible dit qu'eux, ils s'en allaient prêcher. Dans, they were going to preach. Tu vas lire Romains, non, Marc, pardon. Marc chapitre 16, verset 19 à 20. Mais le Seigneur travaille avec eux. But God works with them. Ils n'ont pas dit que le Seigneur travaille, mais they've le Seigneur travaille avec works. Eux. C'est très he important. Si tu them. Saisis cet enseignement, if you tu vas grandir dans la connaissance du Saint-Esprit et la connaissance Spirit, de la personnalité du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a un caractère. The Holy Spirit has le behavior. Saint-Esprit a une présence. He has a character. He has et a presence. Tu dois savoir à quel moment le Saint-Esprit veut t'orienter dans the cette Holy direction. Spirit wanna guide you into that direction. Marc 16, à partir du verset 19. Or le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Pour eux, ils s'en allaient prêcher en tout lieu. Ouais. Le Seigneur agissant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Vous voyez, le Seigneur agissant agissait working, avec eux. The Lord was working with them. Et c'est très important, frères et sœurs, de, sisters, pour comprendre, pour découvrir la personne et la personnalité du Saint-Esprit. Vous voyez, ils allaient, c'est pas le Seigneur seul qui travaillait. Not just God working. Et moi, j'ai vu au and début de mon ministère des choses extraordinaires. Ministry, extraordinary things. J'ai dit au Seigneur qui me dit, allez, God, et prie pour cette personne, je vais faire quelque chose. Person, le premier miracle que j'ai vu the de mes yeux, saw, le premier miracle, c'est ma conversion moi-même d'abord. Was my conversion.
Mais quelque temps après ma conversion, but after my conversion, un jour je priais à Dieu pour la gloire, et le Saint-Esprit me montre, and the Holy Spirit shows me, une personne venue à la prière, someone coming to the prayer, et cette personne avait des béquilles, and that person has crunches, et had crunches, il me dit que and the person à la prochaine prière cette personne va venir. Prayer, je vois dans mon esprit cette personne, and I see my spirit that person. Et le Seigneur me dit que tu imposeras les mains à cette personne et elle sera guérie. Mais je dis au Seigneur, mais écoute, est-ce que j'ai besoin d'imposer les mains à quelqu'un? Je n'avais jamais vu ça. Mais écoutez, frères et sœurs. Et donc j'ai prié. Ce jour est arrivé. Et ce jour-là, j'étais très distrait à la prière. And I was very distracted at the parce que je regardais vers le portail. Because I was looking at the door. Tout le monde est venu et on a commencé everyone la prière. Came. Vous connaissez la prière de renouveau. And you know the on priait, on priait, on priait, on priait. Et on est arrivé à la lecture de la parole. And at the après lecture, l'invocation à l'Esprit Saint. After we called the mais Holy Spirit, mon type ne venait pas. But the person wasn't coming. Et j'entends un bruit de portail. And I hear noise at the et je vois mon paralytique qui and arrive. I see the paralytic. Et c'était un homme qui marchait avec deux béquilles. It was a man walking with two crunches. Et je l'ai aidé à s'asseoir. And I helped him to sit. J'ai voulu commencer la prière, le Saint-Esprit dit non. I wanted to start the prayer. The Holy Spirit said no. Vous savez, c'est très important le kairos, it le temps du Saint-Esprit. Important, the kairos. Et le clin d'œil du Saint-Esprit. Je n'avais pas d'expérience. I had no experience. Et arrivé un moment, le Saint-Esprit me dit, va prier pour lui. And pray for him. Et pendant que les gens étaient en train de méditer le texte, well, vous savez comment faire, on prend le verset, passage, on répète le verset, verse, et ils avaient it. Tous les yeux fermés. Hein? They had the et eyes je me closed, suis déplacé comme ça. And I moved like this. Et le paralytique ne m'a pas vu and me déplacer, puisque lui aussi me priait. Because he was praying. Mais c'est quand j'ai mis ma main sur son when épaule, I put my hand on his shoulder, il m'a regardé. He looked at me. Oh, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Lève-toi et marche. Vous voyez, tous ceux qui étaient. Vous voyez, ce n'était pas décent, puisqu'il y avait quand même une partie pour l'intercession. There was some part for the intercession. Mais quand vous marchez avec le Saint-Esprit, but when you walk the Holy Spirit, il y a des choses assez étranges comme there qui are strange things. Et alors, quand je crie au so nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Stand up and walk in the name of Jesus Christ. Cette personne a bondi. She stood. Elle a commencé à marcher. And she started ma main était restée comme ça. My comme hand ça. Was still extended. C'était le premier grand miracle que je venais it de voir. It was the first miracle I just accomplished. Ça a changé ma conception du Saint-Esprit. It has changed the way I saw the Holy Spirit. Il veut composer avec toi. He wants to work with you. Il y a une personne qui avait des difficultés quelque part. Someone had difficulties elle disait, somewhere. Bon, ok, écoute, she frère, was saying, listen, mais j'ai prié. Le Seigneur n'a rien fait. And the Lord didn't do anything. Je dis non. I said no. C'est pas comme ça le Seigneur that's travaille. Not how it works. Alors je veux que tu me regardes bien so ce que I je want et que tu entends bien ce que je suis en train de dire. And you hear what I'm saying. Elle dit non, mais on m'enseigne qu'il faut said, prier. She said no. They teach prier. You need je to dis, pray. Non. I said no. Faut prier et agir. You need to pray and work. Faut prier et agir. Pray and work. Elle dit mais comment je devrais dire? Je dis non. She said how. L'affaire était compliquée. It was complicated. Et ta vie religieuse était en jeu. And your religious life, c'est un grand mensonge sur toi. It is a lie on yourself. Il me dit oui, mais parce que c'était un mensonge. The person says yes. Le Saint-Esprit devait toucher les autorités. The Holy Spirit must have touched the authorities. Mais il m'a dit oui, mais quand il m'appelait, no. Il y en a when qui m'appelaient pour faire des remontrances, etc. Je priais. To complain, I kept je dis non. I said no. Il fallait leur dire simplement quand you on t'appelle. Must have told them, c'est pas que tu te justifies. Not that you justify non, yourself. Je n'ai pas fait. I haven't done it. Elle me dit aussi simplement, elle dit oui. She said, as simply si as on this, t'appelle, I said yes. If they call tu dois you, dire, you si on ne t'a pas appelé sur le chose, if mais si on t'appelle, called, tu dois dire, je n'ai you pas are fait. Called, you need to say, I didn't do that. Et cette personne a eu une sanction pénale, une sanction pénale canonique, je veux dire, mais sans précédent. Without precedent. Alors je lui ai dit, attention. So I said, be careful. Le Saint-Esprit agit. The Holy Spirit works. Mais le Saint-Esprit veut agir avec nous. But he wants to work with us. Tu es chrétien? You are Christian.
Tu demandes à Dieu une promotion. You ask for a promotion. Dans ton travail, in your job, il y a ce que j'appelle la normalité. There is what I call normality. Tu dois faire normalement ton travail. You need to do normally your job. Et tu permets ainsi au Saint-Esprit, and you allow the Holy Spirit, de faire plus que to do more than ce que les autres ont. What others have. Puisque les autres, par leurs compétences, because others, ils peuvent avoir telle chose. Can have mais this. Toi, tu auras encore plus grand. And you will have more. Mais tu dois te mettre en mouvement. But you need to start moving. Tu dois te mettre en mouvement. You need to start moving. Et ne fermez jamais les yeux en disant j'ouvre la Bible never pour voir close the eyes ce que say, Dieu me dit. I open the Bible and see what God's le Saint-Esprit travaille avec notre intelligence. The Holy Spirit works with our intelligence. Et c'est très important. It is very important. Le Saint-Esprit a travaillé the avec l'intelligence des disciples. With the intelligence of the disciples. Le Saint-Esprit te pousse aussi à prendre des décisions. To make decisions. Dieu ne te dira pas toutes choses. He will never tell you everything. Parce qu'il t'a donné son Esprit Saint. Because he gave you his Holy Spirit. Il t'a donné son intelligence. He gave you et his l'Esprit va éclairer ton intelligence. He's going to lighten up your intelligence. C'est l'Esprit Saint qui a éclairé leur intelligence. Lightened their intelligence. L'Esprit Saint n'avait pas un micro. He didn't have a microphone. Et comme vous avez une salle de conférence, like you have a room, a conference room. Et chacun, bon, conférence moderne aujourd'hui. Hein, modern conference room. Comme au Concile Vatican II. Voilà. Like a console, tous ceux qui parlaient second, avec un micro. All the people had microphones. Et pourtant le Saint-Esprit était là. But the Holy Spirit was there. Mais le Saint-Esprit ne parle pas à travers but un micro. The Holy Spirit wasn't speaking dire, okay, to the microphone to say, okay, je lève mon doigt. I'm raising my finger. Voilà ce que je dis. Non. This is what I'm saying. Il s'ouvre dans notre esprit, dans notre it intelligence. Blow into our intelligence. Et il élargit les frontières de notre intelligence. Agitate, alors il nous veut prendre la décision. So make c'est poussé par l'Esprit pushed, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais ce sont God. Les hommes qui parlent. But there are men il y a beaucoup de dérapages parce que beaucoup de chrétiens croient because many Christians believe que l'Esprit te dire c'est l'heure d'aller dans les toilettes, tu as un peu mal au ventre. Go to the restroom, non, c'est pas comme ça le Saint-Esprit fonctionne. That's not how it works. Tu vas lire let's read. Philippiens chapitre 2 verset 13. J'aime beaucoup ça. Second, verse 13. Je l'ai cité mais je veux que tu reviennes dessus. Philippiens chapitre 2 verset 13. Et nous allons comprendre que le Saint-Esprit de Dieu that the Spirit of God il suscite en nous des choses. Creates things into mais la décision, c'est toi qui vas but prendre. The decision is yours. C'est-à-dire qu'on n'est pas possédé we are not possessed par le Saint-Esprit by dans le sens Holy Spirit où into the sense on agit dans un second état. Where voilà. We work in the second state, si quelqu'un vous parle de la part de Dieu you, que la personne est dans God, un second état, and the person is in another state non, of ne mind, suivez pas. Vous voyez, don't you follow that? À partir de demain matin, starting demain, tomorrow morning, demain, nous allons commencer un cheminement sur la compréhension. Le thème, c'est la compréhension des charismes. Onto the understanding of et the vous allez voir, vous allez comprendre comment Dieu agit. How God works. Vas-y. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 13. Aussi bien, Dieu est là qui opère en vous à la fois le vouloir et l'opération même au profit de ses bienveillants desseins. C'est-à-dire que Dieu opère en nous. God works into us. Et le Saint-Esprit vient and the Holy Spirit comes, pas influencer, not to influence, s'associe à notre esprit come to be associated to our spirit, et agir au niveau de notre entendement spirituel. At the level of our spiritual understanding. Ensuite, agir au niveau so de notre entendement humain. At the level of the human understanding, parce que ce qu'on appelle le libre what we call arbitre, the qui est dans notre volonté, c'est nous qui décidons. We are the people who are deciding. Quand je dis je me donne à Jésus, when I say I give myself to Jesus, c'est l'action du Saint-Esprit. It is the action of the Holy Spirit. Mais le oui vient de moi. But the yes is mine. Ma faiblesse est soutenue par my le Saint-Esprit. Weakness is sustained by the Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit qui me convertit. The Holy Spirit is converting me. Mais je dois être d'accord avec ce but que Dieu I fait. Need to agree with what he does. C'est comme quand je reçois l'Eucharistie. When I receive the Eucharist, quand on me dit le corps du Christ, when they say the body of Christ, on ne doit jamais me donner la communion. Never be given si je ne dis pas Amen, si je ne dis amen, pas que je suis d'accord, I don't say that I agree, tu vois pourquoi les choses tardent dans ta vie. Les choses tardent dans ta vie parce things que tu n'as pas une bonne compréhension du Saint-Esprit. You don't have a good understanding of the Holy Spirit. Je vois des chrétiens qui I disent say, Dieu au contrôle, Dieu va faire. God is going to do.
Et tu ne vois rien. Pourquoi? And you don't see anything. Why? Parce que ce n'est pas le bon comportement. Because it's not a good behavior. Dieu va faire à partir de toi. God is going to do with you. Dieu va agir à partir de He's toi. Going to work with you. Et les apôtres ont compris and cela. The apostles understood et c'est pourquoi ils peuvent nous le Saint-Esprit et nous avons décidé. The Holy Spirit and us have decided. Si quelqu'un dit, je ne parle que dans l'Esprit. I only speak the Spirit. Et que même pour dire and to say, à sa chérie, à son épouse, to her, to his beloved, et qu'il aime, il a besoin de non, that he loves her, je veux que l'Esprit says, Saint m'inspire I want the Holy Spirit to inspire pour que je dise à ma femme ou à mon mari, so that I je l'aime. To my non, wife, écoute, my husband, I love you. Ça ne marche pas comme ça. Avec That's not the way it works. Et la meilleure tradition, and the best tradition, et je ne prêche pas la religion, I'm not preaching religion, mais je suis très fier d'être catholique. But I'm proud to be a Catholic. La tradition de l'Église catholique church, enseigne que, teaches that que le Saint-Esprit qui agit en the nous Holy Spirit who works in us se sert de notre intelligence et de notre volonté. Uses our will and our intelligence. C'est la purification de notre être intérieur. It is a purification of our inner being. Qui nous donne le meilleur discernement. That gives us the best discernment. Et la meilleure écoute de la voix de Dieu. And the best listening of the Alors, word. Alors, c'est vrai que tu attends beaucoup de choses de Dieu. You are expecting so much from that. Mais comme je le dis souvent, Dieu aussi attend But beaucoup God de choses de nous. Expecting a lot from us. Tu veux te marier? You want to get married? Le Saint-Esprit va te permettre the Holy Spirit is going to allow d'être une personne galante. To allow you to be a good person. Une personne qui n'aime pas les histoires. Someone doesn't like disputes. Une personne souriante. Someone who's always smiling. Une personne qui sait s'habiller. Someone knows how to dress. Ah oui, ça paraît comme charnel. It's like fishy. Mais le Saint-Esprit te poussera. But the Holy Spirit is going to push you. Pas à te présenter forcément Not to present en parlant yourself de bureau à bureau, non. By going from office to office. Mais le Saint-Esprit But the Holy Spirit t'enseignera une démarche d'une personne qui veut se marier. A way of walking for someone un sourire married. D'une personne qui a veut se marier. Smile of someone want to get married. Tu veux être comme milliardaire et je souhaite you aujourd'hui want to be a billionaire and I wish que beaucoup de chrétiens véritablement renouvelés dans le Saint-Esprit mettent l'argent au service du royaume de Set Dieu. The money at the service of the Alors qu'est-ce que le Saint-Esprit va so te dire de faire? The Holy Spirit ask Il va to te do. Pousser à faire quelque He's chose. To push you to do something. Il va te pousser à commencer He's quelque to chose. Push you to start Pour que la loi de la multiplication so t'atteigne. The law of the multiplication calls Mais écoute, tu peux faire listen, des heures et des heures dans la prière. You can say for hours Mais tant que prayer, tu n'es pas en mouvement, as long as you're not moving, parce que tout ce que tu es en train de demander all that you're asking, sont des choses de la terre. Are things from earth. Les choses de la terre things from earth, s'obtiennent aussi avec le mouvement de la terre. Are obtained with the movement of earth. Je veux me marier. Au ciel, ce n'est pas comme ça. On se marie. Heaven, doesn't work like this. Je vais être riche. Au ciel, ce n'est pas comme ça. Wealthy. Donc ça, like ce sont les choses de la terre. So les choses earth. De la terre earth, m'amènent à être en action. To be in action. C'est quand je suis en action When I'm moving, que le Saint-Esprit vient à mon secours. That the Holy Alléluia. Comes to rescue me. Mais les choses du ciel, tu es prié But en langue. Of heaven, you weren't praying tongue. Prie beaucoup, tu as prié en langue. Pray a lot, you're going to pray in tongue. Tu veux être riche? You want to be wealthy? Il y a des principes. There are principles. La richesse humaine. The human wealth. Et l'appui du Saint-Esprit viendra. And the help of the Holy Spirit que si tu fais les choses bien. Only if you do good et things. Et honnêtement. And honestly. Et ce sont des choses faciles qu'on obtient facilement avec things Dieu. We obtain easily in God. Mais pour ça, il faut connaître le Saint-Esprit. But we need to know the Holy Spirit for that. Connaître la personnalité to du know Saint-Esprit. The personality of the Holy le Spirit. Caractère du Saint-Esprit. The character of the Holy Spirit. Tu vas lire, on va finir Let's par read. Là. Acte 13. Acte 13. Vous allez voir ce que le Saint-Esprit va faire. We shall see what the Holy Spirit shall do. Acte chapitre 13, versets 1 à 2. Il y avait dans l'église établie à Antioche des prophètes et des docteurs. Il faut que ouais, docteur c'est pas celui qui a eu un doctorat. They are not doctor, the one had a Ce sont les enseignants. PhD. They are teachers. Ceux qui ont des révélations quand ils Those have quand ils enseignent. When they teach. Continue. Barnabé, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène. C'est-à-dire que c'est très important, frères et sœurs, important, brothers and sisters, de revenir au charisme et au ministère charismatique. The charisma, the ministry.
que ce soit une paroisse, un diocèse, une communauté religieuse, qu'elle soit monastique, qu'elle soit tout ce qu'on veut, c'est nécessaire de laisser les charismes de l'Esprit Saint agir. Ça construit la communauté chrétienne. Il y avait des prophètes, des gens qui parlaient souvent sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est important qu'il y ait des prophètes au milieu de nous. Et je me sens très béni avec mon cénacle, qui est le noyau prophétique, de savoir que ce charisme de prophète, de ministère de prophètes, et jaillit dans ce que nous sommes en train de vivre. À Dieu soit toute la gloire. Si il n'y a pas la prophétie, la Bible dit, le peuple s'égare. Continue. Manaïen, ami d'enfance d'Hérode le Tétraque et Saul. Or un jour, tandis qu'il célébrait le culte du Seigneur, et jeûnait. Et jeûnait, vous voyez, il célébrait et il jeûnait. L'Esprit Saint dit. Le Saint-Esprit dit. The Holy Spirit says, mettez-moi donc à part Barnabé et Saül et Saul. Vous voyez ce qui s'est passé, c'est que. See what happened, parce que quand il dit comme ça, when he says, on pense que les disciples qui étaient là we think that the disciples that were there, ont entendu dans l'air une voix. Heard a voice into the air, une voix. Et, a voice, et le Saint-Esprit, c'est moi le Saint-Esprit. Says, it's me, the Holy Spirit. Non, c'est l'un des prophètes. It is one of the prophets. C'est l'un des prophètes. One of the prophets. Rempli de la présence de Dieu. Filled of the presence of God. Poussé par l'Esprit Saint à parler. Inspired by the Holy Spirit. Mettez-moi donc à part Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Oui. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent à leur mission. Vous voyez, et le verset qui va venir est un verset très important. Vous voyez, eux, ils ont prié, les frères sont abandonnés. Et ils ont prié, ils ont dit, ok, vous pouvez partir. And they say you can go. Mais quand Paul et Barnabas se sont levés, ils n'avaient pas Paul où partir. Stood, mais regarde ce que le Saint-Esprit a fait encore. Eux donc, envoyés en mission par le Saint-Esprit, Saints on the mission by the Holy Spirit, descendirent à Séleucie. Ce qui s'est passé, c'était what exactement ce qui exactly s'est passé avec Abraham. Quand Dieu a dit à Abraham, Abraham quitte ta parenté et va dans le pays que je t'indiquerai. To leave his family and go into the country we'll show him. Oh, le thème que je vais traiter le lundi prochain est comment le Macédonien a parlé à Paul. Dans ce sens, vous allez comprendre encore. In that dream, you should understand. C'est-à-dire qu'ils ont prié. They have prayed. Ils ont prié. They prayed. Ils sont laissés conduits par le Saint-Esprit. They have allowed themselves to be guided by et the Holy ils ont Spirit. Dit, bon, on va dans ce sens. And they say, we're going there. C'est le Saint-Esprit qui les oriente. It is the Holy Spirit who is guiding je them. Mets l'accent dessus, mon frère. I'm setting the accent on this. I'm emphasizing this. Parce que this. Tu as reçu un because feu. Because you have received the fire. Au cénacle, tu as reçu un at feu. The cénacle, you have received the fire. Que ce feu-là soit and toujours that fire must be always pour ça, il faut on. Connaître le Saint-Esprit. You need to know the Holy Spirit for that. Faut bien connaître, c'est-à-dire que L'Esprit Saint se sert de notre intelligence. Uses our intelligence. Il se sert de nos pieds. He uses our il se sert feet. De notre bouche. He uses our de mouth. Nos mains. Our hands. Il se sert de tout ce que Dieu a he mis uses en toi. All that he has put in you. Il se sert he de uses tout, all, de toutes les voies. All the ways of the things. Voix, V-O-I-E. Toutes les routes, les chemins que Dieu a mis en nous. Il éclaire ces chemins-là. Il éclaire. Alors ils se sont dit après la prière, bon, on va dans ce sens. Comme Abraham qui a dit, ok, je vais dans ce sens, puisque Dieu dit, je vais t'indiquer. I'm going to indicate you. Et c'est en route qu'on sait que c'est and Dieu. On the way we know it's him. C'est en route qu'on voit que c'est Dieu. On the way we mais know ils pouvaient s'asseoir en but disant, they could have sat it and say, Seigneur, indique-nous. Indicate us. Abraham pourrait dire, mais Seigneur, tu dis que could have said, you de quitter say, mes parents, d'aller quelque part. Dis-moi où. Non, ça ne marche pas comme ça. That's not working si like Dieu this. T'appelle, tu te mets en if mouvement. God calls you, you start moving. Et le Saint-Esprit te conduit. And the Holy Spirit guides you.
Tu vois, il y a un appel de Dieu sur ta there vie. Is a call of God on your life. Quelque chose a commencé. Something has started. Quelque chose a commencé. Something en toi. Has started. Tu dois te mettre en mouvement. You need to start moving. Parce que c'est l'Esprit Saint et toi. Because it's the Holy Spirit in you. Vous savez ce qu'on dit? You know what we say? Comme une petite parenthèse théologique. A small parenthesis. L'époque que nous sommes en train de vivre. What we're going through. C'est l'époque du Saint-Esprit et l'Église. It is the era of the Holy Spirit and the Church. À la fin. At the end. L'épouse, l'église, the church, the spouse, et le Saint-Esprit diront, and the Holy Spirit will Maranatha, viens Seigneur Jésus-Christ. Maranatha, come Jesus Christ. L'église compose avec le Saint-Esprit. The church works the Holy Spirit. Mais le Saint-Esprit compose aussi but avec the Holy l'église. Spirit works also with the church. Le Saint-Esprit veut composer the avec Holy toi. Spirit want to work with et you. Toi, tu dois composer and avec you le Saint-Esprit. Need to work with them. C'est très important. It's very important. Sans ton mouvement, sans ta volonté, without your will and your movement, tu peux tout recevoir, you tous les charismes, ministères possibles, et rester là toujours en disant, stay there saying, Seigneur, oriente-moi. Lord, guide me. C'est la divination. It is divination. Ou bien tu es baptisé, tu dis, Seigneur, you are baptized and you say, quel ministère tu as prévu pour moi? Which ministry do you have for me? Il a prévu pour toi déjà trois ministères. You have three ministries. Le ministère prophétique. Prophetic ministry. Un ministère sacerdotal. Sacerdotal ministry. Un ministère royal. Par l'onction que tu as reçu. Through the anointing that you received. Donc tu dois pas t'asseoir pour dire so you oui Seigneur, see c'est and vrai, say, il y a une parole de connaissance of course, sur ma it's vie. A word of knowledge mais qu'est-ce que life. Je dois faire? But non, ne pose plus ce genre de questions, don't Seigneur. You ask these questions. Mets-toi en route. Start moving. Mets-toi au travail. Start working. Parce que le Saint-Esprit because the Holy Spirit il ne fera pas tout à notre place. He will never do everything la Bible for dit, il vient au secours de he notre comes faiblesse. To rescue us in our alors je vais prier pour toi. So I'm going to pray for you. Je vais demander I'm going to le ask feu encore. The fire again. Quand je préparais ça, le Saint-Esprit m'a dit d'invoquer le feu. The Holy Spirit asked me to ask for the fire. Et tous ceux qui nous suivent. And all of those following us. Tous ceux qui suivent maintenant all of those people following et tous ceux qui suivront après all of those are going to follow vous allez after. Recevoir un grand feu you receive the fire. C'est-à-dire que vous saurez comment le Saint-Esprit you agit will know how the Holy Spirit works. C'est une personne divine, it is a divine person, mais qui a un caractère who has a character. Quand je parle de la personnalité du Saint-Esprit when I speak about the traits of the Holy Spirit, je parle aussi de ce caractère I speak about his behavior. Le Saint-Esprit ne fera pas beaucoup de choses en notre place. He will never do a lot. Lui, why? Il vient nous faire aimer Jésus. He comes to make us love il Jesus. Vient nous enseigner. He comes to teach mais ce n'est pas lui qui va nous faire but appliquer l'enseignement. Making it, doing tu dois décider. You need to decide yourself. Tu es une personne aussi libre comme le Saint-Esprit. You are free as the Holy Spirit is free. Même si tu es une personne humaine. Even if you're human, le Saint-Esprit est une personne divine. The Holy Spirit is divine. Mais le Saint-Esprit est Dieu. But the Holy Spirit is God. Dieu respecte nos libertés. God respects your freedom. Si tu t'es jamais mis en mouvement. If you never started to move. Il y en a qui me disent mais comment le Saint-Esprit parle? How does the Holy Spirit est-ce qu'il me parle dans mon oreille? Is he speaking to me est-ce right qu'il here? Me donne des visions? Does he give me visions? Je dis il peut s'inspirer say, de quelque chose. Il peut te pousser à une inspiration. By anything, push ça peut être une parole que quelqu'un t'a dit il y a 4 ans. Et le Saint-Esprit va te rappeler and cette parole. Il a commencé à te parler. Ça peut être aussi un fait, un acte que tu as posé. Le Saint-Esprit vient te convaincre de pécher, de justice et de jugement. Il vient te dire que cet acte n'est pas bon. C'est pourquoi tu ne peux pas aller à la confession sans invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut même te montrer ton instituteur. Et il t'oriente vers ton instituteur parce que cet homme, tu reconnais des qualités sur lui. Alors le Saint-Esprit veut te dire quelque chose. Vous voyez, il travaille avec nos pensées. Nos pensées. C'est vrai, il y a des intuitions intérieures. Et c'est-à-dire qu'il y a l'émotion intérieure du Saint-Esprit en nous qui nous... une atmosphère de paix intérieure à nous et il y a des pensées sans les intuitions. Les intuitions sont des pensées et le Saint-Esprit nous parle à travers tout ce que Dieu a mis en nous. Oh, frère et soeur charismatique, il ne va pas changer ta voix. Il ne va même pas changer ta façon de plaisanter. Mais il va se servir de tout ça. Dieu est humble. God is humble.
Dieu nous respecte. He respects us. Dieu nous considère. Considering us. Alors ne dis pas, je vais prêcher comme le frère. So non, tu ne pourras pas like prêcher comme moi parce que you tu n'es pas moi. Like moi non plus, You're je ne pourrai pas me. Prêcher comme toi. Never do like you. À not chacun you. Est donné la grâce. We are each given the grace. À chacun est donné. We are each given the grace. Alors mon frère, ma soeur, on va se tenir debout. So on va invoquer le Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là, Saint-Esprit. Oui, je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Oh, ma bouche, Kamaouna. Bénis Saint-Esprit. My soul praises you, Holy Spirit. Ah, mon frère, souris au Saint-Esprit. Smile, Holy Spirit. Ah, ma soeur, souris au Saint-Esprit. Smile, ce soir. Aie une communion avec le Saint-Esprit. Have a relationship with the Holy Spirit. Regarde-toi, mais dis-toi, Saint-Esprit, say, Holy Spirit. Tu me parles, mais je veux you t'entendre maintenant. To hear you now. Je veux me laisser conduire par toi. Oui, le Saint-Esprit est le copilote de notre vie. Mais c'est le pilote qui prend la décision. But the pilot made the decision. Le copilote peut dire, écoute, the tourne ici, says, mais le pilote, c'est nous you. Qui avons le volant de notre But vie. We have the wheels of our lives. Le Saint-Esprit vient à notre aide. Comes to rescue us. Alors je vais invoquer le feu. So I'll call for the fire. Mon esprit a vu des personnes. My spirit saw people. Pendant tout à l'heure, quand je préparais, when I was preparing, être rempli de nouveau I saw people d'un feu. Filled again on fire. Alors je vais prier. So I'm going to pray. Et comme le disait l'autre, si tu manges, arrête like de manger. Other people say, if you eat, stop eating. Il dit même si tu dors, arrête de dormir. If you sleep, stop sleeping. Alors tu lèves la main maintenant. So you raise your hands now. C'est le temps du Saint-Esprit. It is the time of the Holy Spirit. Je dois trop de choses au Saint-Esprit. I owe so much to the Holy Spirit. Père si grand, greatest Father, dans le nom puissant de Jésus-Christ, in the powerful name of Jesus Christ, fais descendre de nouveau le feu, make the fire fall, le feu de la Pentecôte, the fire of the Pentecost, en ce lundi. That Monday, Père, Father, à cette heure. At that hour, fais descendre le feu. Make the fire fall. Que ta puissance make envahisse power fills le lieu où chacun se trouve maintenant. The place where everybody is now. Que ta puissance remplisse leur maison. May your power fill the homes. Si les gens nous suivent à travers if people are following us, le Facebook, il est mieux de garer Facebook, votre voiture maintenant. Il est mieux de garer votre voiture maintenant. Père, Father, envoie le feu du Saint-Esprit. Que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu descende. C'est une puissance qui est en train de descendre. Même le lieu où nous sommes arrêtés, nous sommes là, dans ce studio, il y a le feu partout. Père, le feu de ton esprit. Oh, la gloire de Dieu. Là où tu es, le feu est sur toi maintenant. Je vois des personnes être remplies d'une puissance de feu. Père, le monde est en train de changer. Tous les événements du monde et tous ceux qui se lèvent contre le racisme aujourd'hui et toutes les institutions all the institutions mondiales world institutions sont arrivées à leur fin. Have came to the ends. Père si grand, Father,
C'est l'évangile qui va triompher. C'est l'évangile qui va triompher. Père, le feu du Saint-Esprit. Le feu. Tu reçois le feu dans toute ta main, tes deux mains levées. Le feu est sur toi. La puissance de Dieu qui te touche. Tout ce que tu vas toucher sera sanctifié par le feu du Saint-Esprit. Tu es grand. Tu es grand, Saint-Esprit. Tu es grand, Saint-Esprit. Des cancers vont sortir ce soir des corps. Tu as un cancer au poumon droit. Et le feu, tu sens comme s'il y a le feu dans ta poitrine. Tu iras voir ton médecin. Le feu du Saint-Esprit est sur toi. Père si grand. Père si grand. Père si puissant. À toi la gloire. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Tu chantes, toi qui nous entends. Que le feu descende à nouveau. Que le feu descende à nouveau. Que le feu descende à nouveau. Oh, merci Père pour le feu qui descend. Thank you, Father, for the fire. Tu vas connaître le Saint-Esprit. You tu vas marcher avec le Saint-Esprit. You are going to walk the Holy Spirit. Tu vas vivre selon le Saint-Esprit. You are going to live according to the Holy Spirit. Tu vas décider avec le Saint-Esprit. You will decide the Holy Spirit. Ta vie a ressemblé à celle de Jonas. Your life looked like the one of Jonas. Il y a longtemps, tu as essayé de fuir à cet appel de Dieu. You have tried to run away from that call. Mais le Saint-Esprit vient en secours maintenant. Comes to rescue you now. Mais comme je l'ai dit, like I said, c'est l'Esprit Saint et toi. It is the Holy Spirit in you. C'est tous deux que vous devez you décider. Have to decide together. Dieu ne te forcera jamais. God will never force you. Koyashi. Le feu, le feu du Saint-Esprit. Nous te bénissons, Jésus. Nous te glorifions, Jésus. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Plusieurs personnes sont guéries et je prophétise sur cette émission. Ceux qui vont entendre, écouter et voir maintenant, ceux qui vont voir plus tard seront aussi guéris et recevront le même feu. Père, que ta gloire remplisse la terre. Amen. Le feu descende à nouveau. Que le feu descende à nouveau. Que le feu descende à nouveau. Que le feu descende dans nos maisons. Que le feu descende à nouveau. Que le feu descende sur nos gouvernants. Que le feu descende à nouveau. Que le feu
nos hôpitaux. Que le feu, que le feu descende à nouveau. Que le feu, que le feu descende dans les palais de justice. Que le feu descende à nouveau. Que le feu descende dans nos églises. Que le feu descende à nouveau. Que le feu descende sur la jeunesse.